Le CHU de Rouen propose un grand nombre d'interventions chirurgicales en ambulatoire. Le patient entre le matin à l'hôpital et rentre chez lui dans la journée quand il est considéré apte à sortir. Cette organisation présente de nombreux avantages pour le patient, comme notamment une réduction du temps de présence à l'hôpital et une récupération plus rapide. Le jour de l'intervention, vous serez attendu directement dans l'unité de chirurgie ambulatoire. Unité située au rez-de-chaussée du pavillon DV. La première étape de la journée commencera par votre enregistrement administratif dans l'unité. Une infirmière fera le point sur vos traitements en cours et vos bilans éventuels et vous équipera de votre bracelet d'identification. Elle récupérera également les coordonnées téléphoniques de votre accompagnant. Je vais vous accompagner, mon collègue va prendre la suite. D'accord. Bonjour, c'est bon. Une fois les formalités administratives accomplies, une aide-soignante vous accompagnera dans votre chambre et vous remettra une tenue de bloc. Une fois changée, vous pourrez déposer vos affaires personnelles dans un vestiaire sécurisé. Vous serez ensuite invité à patienter dans le salon d'attente préopératoire. Alors, vous désirez un fauteuil comme ceci ou un fauteuil électrique ? D'accord. Okay. Le moment venu pour votre passage au bloc, un soignant vous accompagnera vers la salle d'intervention. Après l'intervention, vous serez transféré en salle de réveil où vous ferez l'objet d'une surveillance pour s'assurer que le réveil se fait dans de bonnes conditions, sans douleur ni nausée. L'infirmière s'assurera de votre bonne récupération et de votre confort. Elle vous accompagnera lors du premier lever et contactera votre accompagnant. Après cette période en salle de réveil, qui varie en fonction des patients et du type d'intervention, la surveillance se poursuivra au sein de l'unité de chirurgie ambulatoire, où il vous sera proposé une collation. Voilà, vous allez pouvoir manger un café, un thé, ce que vous voulez, boisson fraîche, jus d'orange. Alors café, jus d'orange, pain, beurre, confiture, s'il vous plaît. Les suites post-opératoires vous seront réexpliquées soit par le chirurgien, soit par l'infirmière, selon le type d'intervention. Lorsque votre état de récupération sera jugé satisfaisant, vous serez invité à vous changer et à vous rendre dans le salon de sortie. Je vous laisse vous installer ici et puis ma fermière de l'accueil va venir vous donner tous vos papiers de sortie, ordonnances, etc. D'accord, merci. A tout de suite. Une fois l'autorisation de sortie donnée par le service et si l'accompagnant est bien arrivé dans l'unité, votre sortie sera alors possible. L'infirmière finalisera votre sortie administrative et vous remettra un bulletin de situation. Et bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Vous pourrez alors rejoindre votre domicile avec votre accompagnant. Le lendemain, vous recevrez un SMS pour prendre de vos nouvelles et maintenir un lien avec l'hôpital. Si vous avez des questions, les équipes du CHU de Rouen restent joignables au numéro indiqué dans votre passeport ambulatoire.